On dirait, tu sais, là où il y a Gandalf qui attend dans une gare avec Ah Harry. ouais, excellente cette scène. Ouais. Ah pardon, j'ai dit Gandalf. Ouais, mais il m'a pas repris. Il m'a oh pas merde repris, donc il Oh non, c'est horrible que je t'ai pas repris. Ah ouais, c'est il est horrible. Fautif. Alors là, j'ai rien. Alors... C'est quoi, ça passe tout seul. Gandalf à la gare, ça passe tout seul. Mais tu vois, ça t'a pas choqué non plus, donc c'est que c'est possible. Non, non, Gandalf à la gare. Ah, j'ai jamais osé, je sais pas comment on gagne. Cavalier en E6. Tu regardes trop Harry Potter. Assez pour savoir qu'on dit Gandalf à la gare et pas... Ouais, bah oui, tu m'as vachement repris. Aragorn avec Hermione, là, dans la salle. Du coup, on va jouer à Super Liminal. Ouais, un jeu... Un peu de game, non? Ouais, un peu. C'est, ça joue sur les perspectives, ça casse le cerveau, quoi. Bon, bah on y va. Eh bah super. Super. Ça fait super plaisir, je vais pleurer en fait. Là, c'est une vidéo wankin ou quoi, là? C'est une intro sponso, ça, je reconnais. Moi, je sais le faire, ça aussi, hein. Comment ça, ça lag? Oh, ça va vous emmerder. Moi, ça ne lag pas. C'est vraiment le pire des trolls. Je vais donc lire ce papier et vous ignorer. Tu vas juste signer ce papier ça, sans c'est... dire, comme tous les contrats que tu fais. Ça, c'est vous qui signez le papier Wankil, vous lisez pas les clauses, hein. Des fois, vous attendez 2 heures, on s'en bat les couilles, vous avez signé. Tant pis pour vous. Ah, oh, voilà, okay, bon, d'accord, ok. Alors, ça commence. Alors, ça y est, j'ai envie de vomir, j'ai la nausée. Alors, attends. Ah, je ne me sens pas bien. Okay. Et si je... Si tu te poses ici, ça passe pas. Ah, ouais, je me sens vraiment pas bien. Ok, donc tu le fais grossir en fonction de la distance à laquelle tu l'amènes. Ah, bah tiens. Et alors, comment faire? Ah, oui, bah oui, tu mets vers le bas pour le faire rétrécir. Et tout petit. Oh, c'est énorme. C'est incroyable. Je sais pas par contre. Comment ils font en fait? Tu as développé ça en fait. Comment ils font en fait? Pas sur ton écran, ils bougent jamais. Et c'est quand tu lâches qu'il devient réel. Donc, du coup, j'arrive pas à comprendre comment ils ont réussi à développer un truc comme ça. C'est absolument incroyable. Oh, petit fromage là. Du gouda. J'ai une tranche de Babybel. Oh, ah, tu vas faire un gigantesque fromage. Très très bien. Voilà, le beau Babybel. Putain, il est pas encore assez gros le Babybel. Putain, il est gigantesque. Oh la vache, putain. Oh mon rêve, tu prends un fromage, tu fais 100 fois sa taille, t'es refait. Tu le donnes aux pauvres, on croque dedans, t'es tranquille. Que les pauvres, hein. Nous on garde quand même nos petites tranches de beefsteak à taille normale. Ça. Ah, tu pouvais acheter des trucs dans la machine. Alors. Tu pourrais faire une canette géante, un très grand coca. Oh putain, le rêve. Oh oui. Oh putain, le rêve américain. Oh, on se met lourd. On va pas se priver. Un bon coulommier là. Je réfléchis. Attends, peut-être que le poids du frometon. Va faire tomber le mur. Oh, c'était ça. Et bah, tu vois. Ok, donc on s'est complètement échappé. Et on va foutre la merde. Avec des fromages. Je vais manger du Babybel. Oh merde. Oh putain. Tout était prévu, c'était calculé. On s'est pas vraiment échappé. C'est des cons. C'était un bon matelas bien rembourré. On a pas eu mal aux pieds. Coca peut-être. Peut-être. Toujours. Attends, j'ai une bonne grosse soif donc on va faire les coca. Voilà. C'est une canette, moi c'est ma canette pour la journée. Je bois à peu près cette quantité de coca. Oh merde. Oh la vache. Alors. Vous aimez la nausée? Et ça m'a foutu le temps. Vraiment le espèce de petit vertige dégueu. Vas-y, les portes, pareil, hein, fais comme tu veux. Oui bah c'est pas le choix. Au pire on s'en fout. Hein. Oh. Nice. Qu'est-ce qu'ils en foutent ça? Ça me fait penser à tous les gens qui font des blagues, tu sais, qui prennent des photos sur le champ de Mars devant la tour Eiffel. Genre, ah, je tire la tour Eiffel, mort de rire de lol. Ouais, la tour de Pise, je la rattrape. Oh, elle va tomber. Je suis un touriste. Ouais, ils sont forts, hein. Ils ont vu des vidéos de Fabien Olicard, ils ont dit on va en faire un jeu vidéo. Mais c'est un génie ce mec. Je crois que Fabien Olicard, elle arrive vraiment à lire dans le cerveau des gens. Il y avait une petite porte, une toute petite porte, je suis frustré. Ah, ouais, d'accord, ok. Ah, c'est une porte pour Link. Voilà, c'est fait. Ils ont même pas encore fait la blague. C'est fait, non mais c'est fait, c'est déjà fait, c'est plus à faire. Je leur coupe l'herbe sous le pied, ils peuvent plus être drôles. Bien joué ça. Ouais, ah, mais ça va aller les réveils. Je pense que ça va être de pire en pire. Il doit y avoir masse de défis, genre éteindre tous les réveils. Prendre une canette tous les jours, celui-là tu l'auras sans le vouloir. Tu vois une machine à soda, c'est gratuit, tu te dis... C'est quand même dommage. C'est dommage de passer à côté, quoi. Ouais. Mais... Ah! Oh putain! Attends, mais... Du coup, ok, ça, ça duplique, mais... Et tu peux pas les choper? Non, parce que je peux pas les attraper, justement. Ah, ok. Je peux cliquer pour dupliquer. Et ça peut faire un escalier à force? Genre, si tu recules progressivement? Ça va le faire, mais... Tu vois, genre un truc comme ça... Peut-être passer au-dessus. Ouais. C'est malin. Ils sont pas cons, hein. Ils sont pas cons, les gars. Je vais leur faire un tweet, là. Vous êtes pas cons, vous, hein.
Tu te fous juste au studio, c'est pas con vous hein. Ça bosse hein. Oh mon dieu. Oh non. Le cauchemar. Devient un beau réveil. Ah ouais, mais je suis coincé en fait avec ce système de duplication. Parce que dès que j'en prends un. Ah oui, après tu peux pas le reprendre. On va tenter de pas faire crasher ton PC. T'as qu'à faire, ouais. Ça doit être cool de dev un jeu comme ça, tu fais ce que tu veux. Genre. Il se réveille le matin, il se dit j'ai une idée de merde, là j'ai un truc. Ça va pas être surtout une crise de tête, putain, j'imagine pas la complexité. Laisse tomber. Oh, une pièce relaxante. Oh, je me sens bien. Bon, on va, c'est parti. Eh, parfois faut se détendre, faut prendre une petite pause, faire le point. Réfléchissez à votre comportement agressif. Sardoche a commencé avant vous et vous l'avez déjà dépassé. Sachant que Sardoche a 600 de QI, ça veut dire qu'on ouais, en a le double. C'est quelqu'un de très 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 intelligent, ce qui fait que nous on a quoi? On a 1200. Putain, je suis de 143. C'est à vouloir dire ça. Tu vois là, ça, Sardoche, bah, il a mis à peu près un quart d'heure à agrandir la maison. Non mais ça va non plus que... Genre, putain, elle est beaucoup trop okay, grande. Attends, c'est un peu grand là. J'ai mis un peu les choses en grand là. Putain, il s'est pris à 1 km² là. On dirait des Kaplas. Trop bien les Kaplas. Un Jenga. C'est plus le format Jenga. Je confonds Kapla et Jenga. Ah oui, mais lui ça dose. Force 3. Faire grossir, ouais. Je peux le mettre en force 3 peut-être. Ah, je pense non, pas. Je pense pas. Plus. Oh ah, bah écoute. Ouais. Oh. Bien sûr. Alors attends, ça c'est. Ça c'est beau ça. C'est incroyable. Toujours dans l'excès. Hein. C'est très fort quand même. Hein. Ah, mais je vais aller de mon tweet. Hein. Je vais leur dire qu'ils sont pas cons. Hein. pas con les mecs. Le gros beauf qui a fait son pas le boulot juste. Ils ont dû mettre au moins un mois à faire ça quoi. Si ce n'est plus hein. Ah ouais, non mais c'est ouf. Allez voilà. Putain. Oh la vache. Une canette quand même. Ça mange pas de pain. Oh là, oh, ma canette. Oh ouais, la canette là. Ouais, wow, j'ai payé. Ouais, ça recommence. Au milieu. Attends, il manque quelque chose. Oh là, là, t'es vraiment pas loin, là. Bah ouais. Eh bah, la baise. Putain. Les bâtards. Ah non, c'est exprès. C'est vraiment des bâtards. Tu recules assez pour le faire. Oh, mais... Arrêtez. Mais se foutent de la gueule du monde. Je vais leur faire un tweet, hein. Vous êtes cons. Ouais, on va visiter, ça a l'air sympa. Ah, super pour la canette. Bah. Ah non, ouais. Bon, vas-y, prends un sans sucre, mais c'est vraiment juste parce que. parce qu'il y en a plus. Attends. Ah, mais on est revenu. On revient en fait à cette téléportation qui est à l'intérieur de ce truc là. Oui, en fait, on est dans la chose. Ah, bah attends. Est-ce que si je l'amène, ça crée un fuck? Oh là. Oui. Oh là, oh là. Ça crée un. Oh là. Mais c'est un paradoxe. Attends, mais sors par. Oh, c'est la baise. C'est le paradoxe. Oh, okay. J'ai créé un paradoxe. Vous voyez, paradoxer de créer des évités. Ok. tu l'as niqué. C'est excellent. C'est un peu ce que je me demandais quand il y avait deux portails dans Portal. Ouais. Je me disais, ça fait quoi si tu les entrechoques? Enfin, genre si tu te mets un dans l'autre. Voilà, ils l'ont fait. C'est la fin du monde. Voilà. Du coup, on va se remonter les deux puisque ça bug. On a fait un truc et après le jeu il s'est cassé. C'est ça le monde du paradoxe. Waouh, n'y fais pas bon vivre. Vache. Ouais, bah ne créez pas de paradoxe chez vous. Hein. C'est la merde. Clairement. Ça va être un bordel, je vous raconte pas. Hein. Hello. My name is Dr. Glenn. Ah oui, dans ce monde-là, ça lag. Ah bon? Mon encodeur, il fait ah non, pas les paradoxes. Par contre, quand t'es retourné dans une pièce normale, c'est bon. C'est vraiment bien foutu. Non, ne sors pas. Ouais, mais c'est des paradoxes, mec. Merde. Si je sors pas, je vais où? Ah vas-y, sors. Hein. Tant pis. Allez, paradoxes. Bon bah vous aurez un PowerPoint en attendant qu'on résolve cette énigme. Attendez qu'on sorte de ce paradoxe là, c'est RP, ça a niqué le PC. En vrai c'est rien, c'est juste du 20 FPS. Voilà. Ça va, ça... Vous savez, dans le monde de l'audio, tout le monde le sait, l'important c'est le son, pas l'image. Si vous vous entendez bien. C'était magnifique, on aurait dit une grande phrase quand t'as appuyé sur le bouton et que tout s'est éteint et que t'as déclaré voilà. Que... L'important c'est notre voix. Voilà. Faudra l'écrire en lettres manuscrites. C'est magnifique. Concentrez-vous sur nos voix. Vous êtes reposé. Il n'y a plus d'image donc vous pouvez pas vous plaindre. Attends, c'est là. Ça doit être la fin. Hein. Oh merde, j'ai pas bougé des écrans. Bah ils ont fait exprès encore une fois, c'est des salopards. What the fuck, mec. Mais attends. God damn. Wouah. Les mecs savent pas trop réact, c'est un truc qu'ils comprennent pas. Wouah, mais il y a tellement de journaux sur les casiers. C'est le mauvais réact. Putain, mec, je les comprends pas trop. Ça n'a plus aucun sens. Attends, jaune, rouge,
bleu, rouge. Attends, vert, violet, orange. Non, c'est toujours cet ordre-là. Il n'y avait pas de marron avant. Regarde. Non, mais où est-ce que tu vois non, du c'est marron bon, la blague du Dalton. Du Daltonien était épuisée. Ok, alors là, il faut qu'on commence à réfléchir parce que visiblement, peu importe ce que ouais, je fais. Ouais. Attends. Mais la solution, elle est très simple, Terra. Il faut ouvrir ton esprit, c'est tout ce que je te dirais. C'est un indice. Indice, deux portes, mais six fenêtres. Deux frères, deux fauves. Une porte, quatre bâtons. Non mais allez. En vrai, elle est simple. C'est juste. C'est une question. Pour te laisser trouver, mais. C'est une question de. Putain. Nique ta mère, ta gueule. C'est une question de perspective et de fenêtre, comme je le disais. Attends, on a l'esprit vif. Hein. Bon, moi, je fais pas grand-chose. Hein, oui, bon, j'essaie de t'impliquer dans la résolution d'énigmes. Mais moi, j'en ai rien à foutre. J'ai l'air intelligent. Hein. Hey, personne sait qui joue, hein. Moi j'ai un truc avec toi, du coup, nickel. Tu veux un indice? Tu veux un indice? Attends. Un fromage. Non. Ça va m'aider à passer le fromage là. Indice, escalier. Voilà, encore une fois, je t'en dis pas plus. Je te fais confiance, mais. C'est insupportable. Putain. Il va être 8h, alors l'heure de se réveiller, vraiment. Putain, c'est le cauchemar. En fait, on a vécu le cauchemar de tous les gueux. Ouais, les mecs qui vont au boulot là, qui viennent se réveiller à 8h là. Vous rêvez de ça tous les soirs, du coup, vous, putain. Bon, on se lève à 13h, je peux vous dire que c'est plus détente. Hein. Moi, je rêve de mon lit, vous rêvez de votre réveil. Tant pis. C'est le moment trailer. Un hangar. Vraiment, je reviens en arrière. Je reviens de tout ce que j'ai fait. Ah, tout ce qu'on a fait quand même. Tout ce qu'on a fait. Je sais. Ah putain, j'ai mal à la tête limite. Quand je vois tout ça, je me dis. À part de résoudre toutes ces énigmes là, j'ai un mal de crâne, Terra. Oulala. Ce qui est bien, c'est que tu vois, on aura fait le jeu en, je sais pas, 1h30. Et je pense que la vraie raison derrière ça, c'est qu'on a deux cerveaux en fait. Tu vois, qu'on est un duo. Je suis sûr que les gens ils vont dire ouais, mais ils étaient deux à réfléchir, c'est beaucoup plus facile. Et ça, c'est beau, tu vois, c'est le pouvoir d'être à deux. C'est ça la morale de l'histoire. Non, c'est pas GG Link, c'est GG Link et Terracide. C'est super. C'est vraiment... Ça va être un travail d'équipe, les gars. C'est super. Terra, c'est quand que tu réfléchis un peu? Eh oh là, l'imbécile de service. On va se coucher, à la fin, on va aller se coucher, ça va être trop bien. Tu crois qu'on va juste retourner dans le lit duquel on est sorti? Moi, ça m'irait très bien. Genre, on va retourner dans le lit et on va se réveiller. Et en fait, on entre en hôpital psychiatrique et on va nous donner nos médocs et on va se rendormir. C'est une histoire horrible. Ouais. All you've got to do is wait up. Bon, mettez-nous dans le lit là. Et c'est le moment de tweeter. Ah ouais. Alors. Putain. Pas con. Pas con les gars. C'est trop. Voilà. C'est tweeté, on va pas se prendre la tête. C'est un truc de beau. Tu sais, ils peuvent même pas leur tweeter, c'est juste c'est nul à chier. C'est comme les beaufs qui sortent de sa chaîne, ceux-là. Putain, pas con le film. Eh, franchement, putain, ça donne à réfléchir. Pas con le film quand même. Pas con en parlant d'un truc, c'est vraiment trop marrant quoi. Pas con. Bon, pas con les gars, mais ils étaient quand même 150 pour le faire. Hein. Ouf. Ça... Ah ouais, wow. Hein. Et nous, que deux pour le réussir. Hein. Ouais. Et eux, 150 pour faire des énigmes.